Voilà, on est avec nos amis Marc et Vincent et on est sur le Nilion. Je rappelle la structure. La voilà, pour ceux qui ne sont pas encore à l'aise là-dessus, le mieux c'est de faire un arrêt sur image, de faire une capture d'écran et d'imprimer ça. Mais normalement, je l'ai mis sur le groupe. Hein. J'ai mis un fichier Excel sur le groupe. Voilà, donc en fait, ce que nos deux compères ici ont appris la fois dernière, c'est apprendre à lire la structure et ne plus regarder la guitare. Évidemment qu'on comprend tout de suite qu'il y a quand même des mises en péril. Hein. Une fois qu'on arrive ici, on est en train de répéter ce qu'on a déjà joué, donc le regard va devoir voyager de haut en bas. Ça, c'est une question d'habitude. Mais plus tu répètes avec cette partouche-ci, et plus tu vas être à l'aise avec. Hein. Maintenant, n'oubliez pas aussi qu'en finalité, il faut se passer de... Ça, c'est une aide. Hein. C'est un aide-mémoire. C'est pour structurer ton esprit sur la structure du titre. Normalement, au bout de deux cours d'ensemble, et surtout au concert de fin d'année, il n'y a plus de copions. Hein. OK ? On va faire un filage, mais j'ai retiré 10% du tempo sur l'original. Donc, on est sur le Neil Young Heart of Gold, et on est parti. Quelques petites imprécisions, quelques petits ratés, hein, ça on le verra quand vous regarderez la vidéo. Donc il faut encore passer un peu de temps
sur ce tempo-là, et puis seulement la fois prochaine, on essayera au tempo normal, quoi. Okay. Mais aujourd'hui, comme on est au bout, on va passer sur un autre titre. Du moins, on va le préparer, quoi.